C'est une histoire peu commune que je m'apprête à vous raconter. Celle d'un président qui a vu du jour au lendemain son adultère mis à nu devant toute une nation. Bon, alors bon, on va se coucher. Et c'est ainsi que notre très cher président suivait son train-train quotidien, pensant être à l'abri de tout soupçon, et qu'il rejoignait sa maîtresse Julie Gaillet, afin de passer, comme qui dirait, du bon temps. Ok, 3, 2, 1, let's jam. Sale gosse. Alors que François nageait en plein bonheur, il ne s'attendait pas à la tempête médiatique qui allait s'abattre sur lui. Le scandale allait éclater au grand jour, et surtout, Valérie allait être au courant. Il allait donc devoir faire son choix. Valérie ou Julie. Bonsoir. Tu faisais quoi? Je regardais l'Energy Music Award. Ah, bonne nuit.
Monsieur Hollande! Il nous faut du travail! C'est la faute à la délocalisation! Le travail. Yeah! Président! 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 Hey! François, choisis-moi. Ça va, Juju? Non, il va choisir moi! Repanne! Hey, stop! C'est pas la fois à la saucisse là! Putain, on a compris! Moi, je sais pas qui choisir en fait là. Je suis en train de me tâter. Tu m'expliques ? Sexe, politique, adultère, tels sont les mots qui font jaser le vexin. L'équipe de 69 Minutes Inside s'est rendue dans la petite commune d'Averne dans laquelle ils ont recueilli les témoignages de la population locale. Enquête. Michel Boulot, 34 ans, agriculteur du Vexin. Que pensez-vous de l'affaire François Hollande-Julie Gaillet? François. L'autre gars du PMU. Très sympa. François. François Hollande. Ah, François. L'autenculé du champ d'à côté, là, non, qui m'a piqué mes parcelles l'autre fois, mais... Le soir, à partir de 16h, la jeunesse envahit les rues d'Averne. Nous allons donc essayer d'aller à leur rencontre et de leur poser quelques questions à propos de l'affaire François Hollande-Julie Gaillet. Suivez-moi. Vas-y, je te laisse là, il y a les paparazzi. Bonjour, bonjour jeune homme, comment vous appelez-vous? Moi c'est Hugo, mais dans le milieu on m'appelle Karim. D'accord Karim. Que pensez-vous de l'affaire François Hollande-Julie Gaillet? François Hollande, je pense qu'on peut aller en parler avec les potes, hein, parce que voilà quoi. On les suit? On les suit. Oui, oui, bon, ok. Pire, on sait courir. Hein. François Hollande, le président. Président Camembert. Oh Michelou! Oh, les gosses du voisin! Oh! Oh les petits saligots revenus! Communiste! Bonjour messieurs! Bonjour messieurs! Vas-y! Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oh vas-y, j'y vais! Vas-y Greg! Vas-y, ouais! Monsieur. Moi c'est Greg, alias Boubacar! Ok, moi c'est Polo, alias Douma Hams! Douma, c'est comme ça qu'on m'appelle le Tchéka, ouais gros! Il trouve la street! Bonjour Francis! Bonjour! Que pensez-vous de l'affaire François Hollande-Julie Gaillet? Bien écoutez, je trouve que c'est très bien qu'ils aient choisi Averne parce que c'est une ville qui manque de vision d'à travers le monde pour sa plateforme handicapée internationale. Excusez-moi Francis, mais de la relation entre François Hollande et Julie Gaillet. Très bien, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire François Hollande-Julie Gaillet? Vas-y François Hollande, tu sais quoi? On a voté pour lui et tout. Là maintenant j'ai crash dessus. Ouais mon frère, il a raison. Là ouais. Il a raison, Sartex. Ouais. Franchement, là c'est la merde, là c'est la demeure. C'est la merde. Franchement, moi, vive Jean-Luc Mélenchon, t'as eu. Hey, et Marine Le Pen, je t'aime, forever. Effectivement, il aurait été préférable que Julie soit handicapée. Car ça permettrait de donner une vision encore plus globale aux handicapés de France et surtout à la communauté d'Averne que je préside en ce lieu même, dans le parc des enfants handicapés d'Averne. Oui, non, mais ça n'a strictement... Regardez, il y a le petit... le petit Francisco derrière, c'est mon petit neveu. Et il est tout comme moi, il est handicapé, sauf que lui, c'est mental en plus que de son bras que j'ai perdu. Hé, les gars. Moi que plus de meufs, frère! Oh, de la meuf!
la meuf et moi. Ouais. Légalise la de. D'accord, mais excusez-moi Francis, ça n'a aucun rapport avec la question que je vous ai posée. Je voudrais savoir, mais que pensez-vous vraiment de la relation entre François Hollande et Julie Gayet? Écoutez, le président. Je pense que... Mais il est con ou quoi? Je ne vous permets pas de me parler de la sorte juste parce que j'ai un petit bras en moins et un bout d'autisme. Ouais, je te me garde, on se prend l'interdit là mon frère. Si, elle voulait un peu de boue, quoi, là. C'est vous, non? Moi, j'en veux. On va y aller. Au revoir, au revoir. Hey, 118. Hey, 218. Un plan cul sur Paris, s'il te plaît. Ok, ça roule. C'est le cas de le dire, hein. Alors, j'ai une Julie qui est prise et une valise qui s'est libérée. Nickel. Ah ouais. Eh mais j'adore ton short. Mais moi aussi j'adore le tien. Oh mais tiens, on a le même. Oh ouais. Colette, 84 ans, va nous donner son point de vue sur l'affaire François Hollande-Julie Gayet. Oh, c'est inacceptable. De mon temps, ça se faisait pas tout ça. Et franchement, il n'y a plus aucun respect aujourd'hui. Je suis vraiment choquée par ce président qui représente la France et... Non mais qu'est-ce que vous pensez réellement de la relation entre François Hollande et Julie Gayet? Bien, il se trouve que, selon moi, il y a beaucoup trop... il n'y a pas assez d'handicapés au gouvernement. Le Premier ministre devrait être handicapé, absolument, certain à 100%, ainsi que le Président de la République et tous les ministres, pour qu'il y ait une justice équitable envers la discrimination handicapiale. D'accord, non mais il est complètement con, non mais coupez là, coupez. Oui, par coupez. Exemple, on pourrait couper non, mais ta gueule, le ta gueule. Membre du président, par exemple sa main ou son doigt ou sa tête. Non, ta même, gueule, ta gueule, coupez pas. Bon, excusez-moi de cet imprévu, mais bon, voilà. Ça va mamie? Oui. Oh, alors là, c'est jeune, hein, depuis le début qu'ils mais c'est toujours comme ça, Verne? Écoutez, faut faire attention, hein, parce que... Oh non. Oh. Ah vas-y, c'est du bon sens, c'est... Putain, heureusement que c'est barré, hein. J'en pouvais plus de l'autre cas.